Coucou les cancers, donc je vais regarder l'horoscope des cancers avec l'oracle débutant Versailles que tu peux trouver sur mon site en téléchargement JPEG ou PDF. C'est assez facile d'apprendre les cartes et tirer aussi les cartes de toi-même. Donc là, j'ai fait trois paquets, je vais mettre la dernière carte qui représente donc ta surprise. Le premier paquet représente donc ton travail. Ce qui va se passer au niveau de ta profession. Le second paquet représentera donc la famille, la vie quotidienne, ce qui se passe au quotidien chez toi. Le troisième paquet, les sentiments, l'amour, et celle-ci, donc la carte de la surprise. Je vais commencer donc avec le premier paquet qui représente le travail. Donc nous avons l'enfant, élévation, choix. Donc là, il pourrait s'agir d'une élévation, un choix professionnel, une élévation, un poste plus important. Quelque chose comme ça, on a envie un petit peu de bouger, d'aller voir autre part ce qui se passe ou bien même changer de profession. Avec l'enfant, donc ça peut être aussi dans le monde de l'enfance, hein, donc des crèches, une école, quelque chose dans ce style-là aussi. Ça peut représenter aussi avec l'enfant, c'est quelque chose de nouveau, la naïveté, quelque chose, donc une nouvelle collection éventuellement qu'on pourrait mettre en place. Hein, ça peut représenter ça. Mais en tous les cas, il y a bien un choix à faire au niveau professionnel. Là, on a envie de s'élever, on a envie vraiment d'aller voir autre chose. Et peut-être avec l'enfant, la naïveté d'être vraiment dans quelque chose de moins lourd, de moins lourd à porter, moins gérer, avoir de contraintes, des choses comme ça. On a envie de vraiment quelque chose de plus léger. Voilà ce que je ressens au niveau du travail. Mais en tous les cas, il y a vraiment des choix à faire et du changement là, à partir d'avril. Là. Des choses à mettre en place plus tard. Mais ça va se mettre en place, c'est sûr. Donc voilà pour le cancer au niveau du travail, au niveau de la maison, de la vie quotidienne, de tous les jours. Donc là, nous avons le roi, ça représente un monsieur, donc le consultant, un père, un frère, un membre de la famille, ou bien la personne qui va regarder éventuellement la vidéo si elle est du signe du cancer, un monsieur. Nous avons là une addiction. Donc l'addiction, c'est vaste. Hein. Ça peut être une addiction sur les médicaments, sur l'alcool, sur du jeu, sur de la jalousie, ça peut être n'importe quoi, et le donjon. Donc là, on a une personne qui reste vraiment sur des positions avec l'addiction et le donjon, personne qui ne veut pas vraiment s'en sortir, quoi. Si on avait mis encore une autre carte, comme la carte là du choix, mais là, ce n'est pas du tout le cas. Avec le donjon, on reste sur une personne, peut-être même têtue, qui reste sur des positions, qui ne veut pas voir comment elle est, quoi. Et pourtant, cette personne a bien une addiction. Donc, si vous écoutez cette vidéo, il est peut-être temps un petit peu maintenant de bouger parce qu'avec le donjon, vous n'allez pas vous en sortir. Hein. Et peut-être écouter les membres de la famille qui sont là pour vous aider car on est quand même sur le paquet de la famille. Donc voilà, si vous m'écoutez, je ne sais pas, voilà, il faut bouger, il faut sortir de cette dépendance que vous avez là. Je ne sais pas de quoi ça parle puisque j'ai parmi une troisième carte, une quatrième carte, mais voilà, il y a une addiction pour une personne. Donc il faut sortir de là. On peut tout gérer dans la vie, il suffit de le vouloir. Ensuite, donc là, on est sur la carte des sentiments. Les sentiments, nous avons le soleil, la tempête et la campagne. Donc pour les couples qui sont mariés, les gens qui sont donc ensemble, le soleil, tout va bien, hein, c'est nickel. La tempête et la campagne, là, on pourrait avoir envie de bouger comme ça d'un coup, se dire, on va faire un petit week-end en amoureux quelque part aller se reposer un petit peu et être que tous les deux. Voilà, je ressens quelque chose comme ça. Et pour les gens qui sont seuls, qui recherchent l'amour actuellement, eh bien, le soleil et la tempête, hein, ça va être carrément un coup de foudre, hein, quelque chose dans ce style. Et on va se retrouver tranquillement avec la campagne, c'est paisible, c'est mignon, c'est gentil. Voilà, c'est serein, quelque chose qui va se mettre en place et qui va être bien mignon, quoi. Voilà, pour les cancers. Et donc la surprise là pour les cancers, le carrosse. Donc le carrosse, c'est bon un déplacement, hein, quelque chose qui est inattendu, il va falloir se déplacer, et aussi quelque chose qui avance vers vous, hein, quelque chose de positif. Voilà, donc voilà, ça peut être aussi, je vous dis, un déplacement que vous n'attendez pas, il va falloir le faire. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit like si ça vous a fait plaisir et de commenter la vidéo. Voilà, ça me fera plaisir aussi. Je vous remercie, à bientôt, bye bye.